Pour faire une mise à jour du firmware sur un Pfizer ARM M0 LoRa, il faut un émetteur avec une ligne de commande pour envoyer le programme à télécharger sur le récepteur qui est en attente d'une mise à jour. Démonstration. J'envoie la consigne de transmettre 11 088 octets que je transfère avec la commande DD en mettant un block size à 1. Une fois le transfert par le port série effectué, la transmission s'effectue par la transmission LoRa. Le transfert dure environ 30 secondes avec un spreading factor de 7. Et voilà, la mise à jour s'est réalisée avec la modification du firmware et le programme test Blink qui fait clignoter la petite lumière et affiche un message toutes les secondes sur l'écran.